Comment ça, je suis en ligne et je suis en train de bouffer? Ouais, carrément. Hein? Je modifie le titre et je suis à vous. Pourquoi je mange? C'est une très bonne question. Et je ne vais pas tarder à y répondre. Déjà dans le titre, vous allez avoir un énorme indice, je crois. Je vais faire un reload. Oui, on retourne dans Carrion. Alors, si vous comptez jouer, vous le spoilez pas. Ne regardez pas. Ah ouais, c'est con, mais je suis honnête. Donc, ouais, si vous voulez jouer avec Carrion, regardez pas ce stream. Vous allez vous gâcher le truc. J'ai encore un morceau d'humain coincé dans une molaire. Si vous ne comptez pas y jouer, bah welcome, hein. Welcome. Alors je pense que j'ai beaucoup avancé là, dans Carrion. J'ai passé combien de temps là? 2-3 heures je crois. Je vais me laver les dents. Hein? C'est important. L'hygiène. Comment ça, c'est pas comme ça? Si, je vous jure. J'en profite avant de commencer pour rappeler que. Bande de petits vénards, vous avez un live tout à l'heure vers 15 h. Vous pourrez même choisir votre streamer. Alors, il y aura Deline, il y aura Chaos. Il y aura d'autres personnes qu'on connaît et on va dans ce jeu complètement tordu qui est Fall Guy. Donc, si vous avez envie de rigoler, bah, rendez-vous à 15 h en ligne. Si vous avez envie de plus rigoler encore, bah, installez-le et puis venez nous rejoindre. C'est pas interdit, hein. Donc voilà. Allez, moi je continue. Où j'en étais? Alors cette nuit j'ai beaucoup joué. J'ai bouffé beaucoup de monde. C'était très rigolo. Je suis là moi, vraiment? Really? Seriously? Alors. Où sont mes potes? Ok. Alors je crois que j'étais arrivé à me coincer à ce niveau. Dans cette zone là, où j'arrivais plus à revenir là. Il y a un truc comme ça, quoi, il y a une embrouille. Parce qu'il y a un ordre logique pour activer des interrupteurs. Et c'est pas mal le bordel, quoi. Je suis en train de revenir en arrière, là, je crois. Alors, c'est pénible quand on redémarre un jeu. Parce qu'on sait jamais où on en est. Lui, je l'ai bien fait, ouais. On va aller voir là. Ah, ça fait du bien, un petit coup de jus. Alors là, il y avait une méga embrouille avec des inters à toucher pour activer et arriver dans une autre zone. Là, il y a quoi? Je me rappelle plus du tout. Alors, c'est le gros piège, hein, de ce jeu. C'est, il n'y a pas de map. Donc, faut vraiment mémoriser les niveaux. Parce que. Il y a des moments où vous tournez un petit peu en rond, quoi. Vous savez plus où il faut avancer. Pourquoi je suis revenu là? J'en ai aucune idée. Mais je l'ai fait. Ah, je tourne autour du truc. Ok, c'est ça. Ça y est, ça me revient doucement. Alors ça, c'est des bouchons. Oui, alors j'ai des nouveaux pouvoirs. Je vous fais voir. J'ai un pouvoir qui me permet de prendre possession d'un être pour peu qu'il soit accessible par un tentacule. C'est assez génial. J'ai le pouvoir pour appeler mes poches. Oui, les nids, je les appelle comme ça, mes poches. Et puis j'ai un pouvoir aussi qui est alterné, soit en offensif et je deviens tout hérissé avec le A, soit je peux avoir une invisibilité. Oui, parce que je vous rappelle que ma bestiole, c'est un gros morceau là, bah, elle peut se séparer en différents morceaux pour être plus fine et avoir d'autres skills. D'accord, là c'était l'arrivée, tout simplement. Bon, on va refaire le tour comme ça, je me le remets en mémoire. Faut pas que je rate 15 heures, sinon je vais me faire engueuler aussi. Ah, je l'ai pas fini. Désolé pour les gens qui viennent de manger. Aïe, aïe, il y a des jambes là encore que je me les garde pour 4 heures. Alors là c'est fermé, il faudrait que je trouve un moyen d'ouvrir. Pour ouvrir, ça doit être cet inter. Pour accéder à cet inter, c'est en activant le deuxième truc de l'autre côté que je vais y arriver. Alors, on a beau être une bestiole sauvage,
faut être vachement attentif. Et il y a une logique à développer qui est assez terrible. On y va. Bref, idéalement, il faudrait que j'essaie d'ouvrir en dessous, mais alors, je sais pas par où je vais pouvoir passer. Oui, c'est encore un reste d'humain que j'étais en train de rôter. Alors, bah, j'en profite pour faire le petit bilan du jeu, tant qu'à faire. Est-ce que Monsieur K est content? Bah oui. Parce que ce jeu amène tous les espoirs que j'avais placés en lui. Et il est exactement drôle comme j'aime. Le fait qu'il y ait un petit peu de stratégie, de réflexion, parce que là je suis un peu paumé et j'essaie de me remettre dedans, et vous voyez que j'en bave, c'est bien. C'est bien parce que ça nous force à cogiter, et bon, on va essayer ce passage, hein, mais ça va être moche. Je sais comment ça va finir. Alors, je passe dans un tuyau. Je vais où là? Je sais plus du tout. Bon, moi je serai fixé pour la prochaine fois. Ah, je peux peut-être bouger ça. Snotch. Voilà une fort bonne nouvelle. Est-ce que je peux. Non. Alors, voilà où je m'étais coincé. Ah bah voilà, je m'étais coincé là. Donc faut que j'ouvre cette barrière là qui m'ennuie. Problème, c'est que quand je suis dans un milieu liquide, je suis en fibre. Donc je peux passer à travers ces grilles, on va dire. Quand je suis pas en fibre, c'est in the bab pour passer à travers. Hein. Donc là, je suis zibé. Je peux plus passer dans ce truc. Quand je suis sous cette forme-là. On va passer là. On va essayer par-dessus. Par-dessus, je vais être zibé pareil. De la merde là, mais c'est pas grave. J'ai oublié d'appuyer sur mes touches de clavier. On était où les gars? On était là-bas. Plop, plop. Allez, on accélère. Hop. À tribord toute. Donc le jeu, quand vous êtes un peu fatigué, vous avez fait apéro, vous allez en baver un petit peu pour les histoires de maps à mémoriser. C'est ce que j'ai fait hier. C'est ce que j'ai fait cette nuit. Quand j'étais fatigué, j'ai arrêté parce que j'ai fait. Ah. Je suis gouré de touche, je suis gouré de touche. Pousse, je me suis trompé, on l'a refait. Attends, oh là là. Je vais vérifier mes commandes quand même, pas qu'il me les ait. J'ai changé de machine. Puis qui me les a plantés. Contrôle. Monster. Ah non, on est très bien. Voilà, c'est très bien. Hop. Non, c'est ma faute, c'est moi qui suis une bille. Hop, on y retourne. Je vais essayer de pas le merder, ce serait chiant de tourner en boucle pour ça. Pourquoi je peux pas. On le fera après. Gros. Un petit bourdonnement, quel bourdonnement? Ah, le ventilo, vous voulez dire. Oui, il fait chaud. C'est la mort aujourd'hui. Hop, on y est, on y va. On arrête de faire le con. 2 minutes. Hein. Ça changera. Prépare-toi à lui sauter sur la gueule ou à descendre, c'est mieux. Hop là. Alors là, je peux pas passer. Là, je peux pas passer. Là, je pourrais mettre un coup, mais il faut que. Justement, je change de forme. Parce qu'il n'y a que quand je suis en forme de la moitié de moi-même. Que je peux. On fait de la bouillie de ce genre. Il n'y a que quand je suis la moitié de moi-même que je peux tirer des coups de tentacule pour actionner des interrupteurs derrière les grilles. J'ai fini. Donc on va se déposer des larves ici. Oui, je sais, c'est. Vous avez mangé là? C'est bon? Et je vais gentiment me mettre au-dessus et plotch in the hunter. Qui a fait quoi? J'en sais rien. Mais on est content quoi. Hop, un autre, je prends. Alors voilà mon problème. Canalisation vidée, c'est bon. Mais moi, il faut impérativement que j'arrive par le truc du dessous.
Et pour passer là, je sais pas comment je fais. Parce que là, c'est fragged up, les amis. Et oui, schlaf, schlif, schlafon. Là, si je vais là, bah, je vais être coincé dans la flotte. Donc, c'est pas cool. Après, je vais aller de l'autre côté, mais il n'y a pas de flotte, donc je pourrais pas passer à travers la grille. C'est encore moins cool. Donc, ce truc me nargue là, c'est une horreur. Et j'ai pas pigé, il y a une logique qui doit être toute conne, mais j'arrive pas du tout à la voir, quoi. Il y a une logique parfaitement débile, mais non. Monsieur K ne percute pas aujourd'hui. Pas plus que cette nuit d'ailleurs. Donc quand je suis là, si je rebascule ça, je sais pas. Bon, alors on va aller voir en haut faire le grand tour, des fois que ça me donne un peu d'inspiration. Mais ah oui, c'est un cul-de-sac, parce que ça s'ouvre que par l'autre côté. Donc je suis zibé, il faut que je sois dans la grosse forme, pas en moitié. Parce que la grosse forme, c'est la seule qui peut donner des gros coups pour péter des trucs. Je crois que j'ai tout expliqué, c'est bien. Je vais recroquer ce mec là. Oh, c'est bon, tiens. Donc je vais re-immerger notre bordel. Et du coup, c'est refermé. Et du coup, je suis malheureux. Et du coup, si je fais un tour, bah j'ai rien gagné de plus. C'est refermé, ça fait comme au début. Donc je peux repasser là, je peux repasser là. Et quand je suis zibé. Je peux pas accéder à mon truc là-bas. Et ouais. Donc tell me how to do it. How to do it better même. Parce que là, je suis tristitude quoi. Regardez comme il est malheureux ce monstre. Imaginez qu'il n'ait pas à manger en plus. C'est la double peine. Donc je pitch pas là, dans le chat. Je vais m'afficher le chat, je l'ai même pas mis. Dodge. Dans le chat, s'il y a des suggestions, sérieux, je suis preneur. Parce que là, je patine dans le nougat, quoi. 7 inter. Actionne les jauges là pour ouvrir le passage, mais je suis bisé parce que je peux pas passer là. Et ça se défonce pas. Hein. Même avec la meilleure volonté du monde. Je me rappelle déjà plus ce qu'il y avait de l'autre côté. Alors. Voilà. Non, ça je peux pas y défoncer, hein. Y a rien à faire. No way. Et ça c'est sens unique, DMC. Si je reprends ma forme initiale. Non, arrête avec ça. Et donc que je reviens comme ça. Pas que je trouve de les likes. Qu'est-ce que je gagne? Rien. Rien, parce que je peux toujours passer là, mais je l'ai toujours dans le baba pour. D'ici, je peux rien faire de particulier, quoi. Mais non, ça se pète pas. Il n'y a pas un gonze dont je peux prendre possession. Donc je me retrouve vraiment comme un cake. Et ça, c'est moche. Donc du coup, je pige pas. Il y a un truc tout bête que j'ai pas compris. Et qui est devant moi. Avec cette histoire d'inter. Mais ça ne fonctionne pas sur moi. Je ne pige pas. Je peux pas le tirer, ce truc. Non. Ah, il veut pas dans ce sens-là. Il veut pas, il voudra pas. Alors, est-ce qu'il faudrait que je parte de là et que je retourne en arrière? Ça, c'est une grosse question. À laquelle on va peut-être avoir une réponse. On va passer là. C'est où que je descends? Ah putain, c'est un sens unique. Je suis zibé. Je peux pas aller plus loin. C'est fragged up. Oh la déception. Oh la grosse déception monstrueuse. Bon, je vais déjauger ce truc. Hop là. Je vais changer les symboles de son. Un gros, parce que t'es généreux là. Merde. Non.
Hop, on est bon. Donc j'ai déjaugé mon bordel là-bas. Il faut que je trouve un moyen de sortir et de retourner en arrière parce que apparemment j'ai dû. Il y a un truc que j'ai peut-être oublié. Et là, je peux plus repasser, du coup, je suis fragged up. Quelle tristesse. Quel malheur. Alors, il y a un truc, il faudrait que je regarde là. Il n'y a pas un truc qui s'actionne d'ici, quand même. Non, rien. Peau de balle. Je l'avais pas vu lui. Alors à quoi il va pouvoir me servir le gars? Oui, c'est mon fameux pouvoir où je prends possession des gens du bout de mon tentacule. Je sais pas trop ce qu'il peut faire lui. On peut descendre. Oh putain, il peut descendre et m'actionner cet inter. Oh bon sang. Oh peu cher. Alors attends voir. Attends voir Charles-Édouard. Ça voudrait dire que ça, je peux l'activer quand moi je suis peut-être dans l'autre bassin, allez savoir. Il y a une bonne probab. Oui, je crois qu'on tient le truc là. Alors. Attends. Ce que je vais faire, je vais le stationner par là, le pépère. Et je vais le manipuler de par en dessous. Vous pigez la manip? Non. Je vais vous faire voir, ça sera mieux. Voilà. Moi, je passe de l'autre côté. Tranquille. Ah, j'avais pas fait gaffe qu'il y avait le cadavre de ce mec que je pouvais utiliser. Oh putain, non. Il aurait fallu que je change d'abord l'inter. Hop. On va faire ça. Vite fait. Splotch. On y retourne. Voilà. Eh ben c'est bon, j'ai ma soluce. Hop, on passe là-dedans, on passe là-dedans, on descend là. Juste en bas à gauche. Tranquille, bien. Je prends possession de ce mec. Oui, je suis comme ça, moi, maintenant. Hop. Il est à moi. C'est ma chose. Chose, va. Je t'appelle Igor. La manette, Igor, vas-y. Allez, Igor. T'es un bon gars. Tu peux le faire. Bien. Et là, je suis au bon niveau, les gars. Celui-là, fallait chercher quand même, hein. Fou. Ça revient de loin. On y va. Alors, du coup, c'est super agréable dans Carrion parce qu'il n'y a pas que de l'action. Il y a un petit peu du jeu à des moments comme ça. Oh merde, il y en a d'autres. Et du coup, le jeu va vous demander de vous creuser un petit peu le neurone pour. Ah, ça passe là. Pour trouver des feintes et vous faufiler et atteindre vos objectifs. Nom de Dieu, ça c'était Chao. Oh, le v'là le nouveau nid. J'ai mérité un coup de bière là. Ah, il n'y en a plus qu'un. Donc le jeu est vachement équilibré du coup, et on s'ennuie pas. Parce que ça se renouvelle tout le temps un peu, il y a des ennemis qui évoluent un petit poil, pas tant que ça, hein. C'est pas la grosse révolution. Mais il y a tout ce qu'il faut en fait pour qu'on soit bien. Attention au trou. J'allais dire attention à la bestiole, mais j'ai pas eu le temps. Oui, je suis blagueur, je m'appelle moi-même bestiole. J'arrive, les gars, ça chatouille? Ah, je suis coincé. Ouais, c'est le régime en confinement, ça. On n'arrête pas de bouffer. Regardez tous ces humains qu'il y a à la volonté. C'est un self d'humain. Viens là, viens là. Ah, non, non, non. Oh que c'était bon. Ouh, j'ai pris des kilos quand même. Hein. Comment ça, j'ai un bout de mec collé en moi. Oh, ça arrive. Oula, ça va être la fête là.
Mais ça faut y casser contre les murs. C'est des robots sentinelles qui sont très désagréables. Ah, il va y avoir un problème. Et toi là, t'es tout seul toi? Non, 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 non. Il est pas tout seul. En fait, faudrait que je prenne possession de lui et qu'il désactive cette damnée tourelle automatique, ce serait très bien. Voilà, on va bosser mon gars. Il doit y avoir un inter de ton côté, je pense. Allez, va chercher l'inter. Oh, il n'y a même pas un inter, je suis dégoût. Vas-y, rembobine, rembobine. Mais tu sers à rien, il n'y a pas d'inter, mec. Je vais passer par au-dessus, hein, ce sera plus simple. Oh non, 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 non. C'était surtout pas le truc à faire. Alors, idéalement, il faudrait que je passe au-dessus. Mais c'est grillé, il n'y a pas de grille, il n'y a que dalle. C'est grillé, il n'y a pas de grille. Ouais, pas mal, celle-là. Cette sentinelle va m'emmerder si je passe à l'arrache. C'est jouable. Hein. C'est jouable, moi je dis. C'est jouable. C'est carrément jouable, regardez. Quand elle est dans le coin mort à droite. Hein? On y croit? On y va, on y croit? On y croit, on y va? Oui, aïe, aïe. On y va. Coin mort! Yata! Est-ce que je suis passé pour quelque chose au moins là? Ça, c'est fermé, ok. Ça, c'est un bouchon, mais à sens unique. Il faudrait que je sois à gauche pour que je puisse l'ouvrir. Et là, ça nous emmène pour un petit casse-dalle. Et une nouvelle mutation. Oh, j'en ai les gencives qui frétillent. Oui, les gencives qui frétillent. Qu'est-ce que je vais obtenir? Qu'est-ce que je suis gras en plus? Non, mais ça, c'est le confinement. Alors, sends out destructive vortex of Zarkozar put. Et je peux tirer des objets, ça veut dire que je peux enfin prendre des bouchons dans ce sens-là. Ah, ça, c'est la meilleure nouvelle depuis l'invention du jambon-beurre à l'humain, quoi. Oh yes! Je suis joie. Ciao les bouchons. Alors celui-là, je peux le pousser. Non, le pousser, je voulais. Ah mais c'est un nouveau stade, j'avais pas fait gaffe. Donc ma créature, les jauges en haut. Il y a trois stades. Et à chaque fois que je trouve une zone liquide, je peux poser une partie de moi-même pour descendre dans un des deux stades inférieurs. Ou alors sinon, si je me prends des bastos aussi, ça marche aussi. Et du coup, va falloir commencer à vraiment cogiter du bulle, parce qu'il y a des moments où il va falloir que je sois sous une certaine forme pour faire une certaine action. Fallait vouloir quoi. Ils en veulent les gars. Là ça marche. Hop là. Mais l'autre c'est coincé. Alors faudrait que je trouve une zone où je peux me. Voilà, ça. Hop. Je descends de forme. Maintenant je peux taper. Je vais tirer. Platch. Maintenant, faut que je retourne chercher ma forme. Oui, parce que l'autre, faut le tirer, quoi. Oh les fumiers de développeurs. Crunch, je repasse en forme sup, je pèse 2000 kilos quoi, c'est... Oh là là. Et là je vais pouvoir tirer ce truc. Et à moi. À moi quoi? J'étais déjà venu là, c'est nul. Ah, faut que j'aille où? À droite. À moi à droite. Oh, c'est gras, c'est... Oh là là, c'est dégueu. Ce soir, évitez les spaghettis bolo. Au cas où je restream. Parce que ça vous allez pas être bien quoi. Ah mais c'était toi, c'était pas toi que je cherchais. C'était le gros truc là qu'on avait au début. Alors, on va refaire un tour. Delicious. Delicious. Oh là 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 là. Alors ce qui est super bien rendu, c'est l'inertie du truc. Ah bah voilà un bouchon enlevé. L'inertie de la bestiole qu'ils ont mis. Ça rend totalement réaliste le côté caoutchouteux. Et c'est assez délirant en fait. Yes! Ça, j'avais pas pu y aller. Alors là, il me propose de poser de la biomasse. Ok. On va faire ça. Ça me fait un checkpoint en plus. Yes!
Quand je suis sous cette forme, je suis balèze, hein. Oh putain. Non, je suis parti, je ne suis plus là. Le boss. Eh oui, à table. Je suis allé me finir les petits restes là, j'en avais gardé pour tout à l'heure. Voilà pour maintenant. Ah, ça va mieux. Et me voilà peut-être enfin dans la bonne zone. Allez savoir. Ouais. Reste avec moi, toi. Delicious. J'ai tendance à dégouliner en ce moment. Hop, ça fait on sait pas quoi. Comme radiation, hasard. Qu'est-ce que c'est que ça? Il faudrait peut-être que j'amène ça là-dedans. C'est une hypothèse. Je peux peut-être aller le régurgiter sur ce truc. C'est exactement ça. Oh, ce jeu. Alors, je vais pas streamer encore très longtemps. Je fais une petite dizaine de minutes parce qu'on se retrouve à 15h, autour de 15h, avec la team Betraf. Pour une épopée extraordinaire. Je vous dis pas, je vous en dis pas plus, mais je vous conseille d'être sur Twitch à 15h, que ce soit sur le canal de Deline, celui de Chaos ou le mien. Je dois aller où maintenant? Je sais pas du tout où je dois aller. Je vais me défouler sur le distributeur. Argreux. Attends, je vais manger. Ah bah si ça traîne, c'est mangeable. Ok, la sortie c'est là, mais c'est pas ouvert. Ah, je suis encore zibé. Qu'est-ce qui manque? Il y a un truc que j'ai pas dû voir. Oh la grosse bébête. Alors, il y a un corps qu'il faut que je trouve encore pour celui-là, je pense. Parce que celui que j'ai activé, apparemment, ça suffit pas. Problème, je sais absolument pas où il se trouve, quoi. S'il est là-dedans. Ah, mais maintenant, je peux tirer ça. Oh, bonheur. Oh, joie. À moi le corps. Et on remonte. Et c'est réglé. Oh, le yum-yum. Oh, le yum-yum à papa. Oh, que c'était bon, chat. Donc, est-ce que je persiste à recommander Carillon? Carrément. Carrément, quoi. Que ça casse. Non, que dalle. Alors je sais pas comment on peut passer ces ce truc là. Ça, j'en ai aucune idée pour l'instant. Ah, ils ont rentabilisé les tableaux, hein. Ah, je reviens ici, craché comme une merde. Ok, donc il faut absolument que je passe de l'autre côté. Ta 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 ta. On va trouver.
truc qui fait ping. Ah, j'ai pas ouvert de ce côté. Ok. Bon, faut que je me trouve une sauvegarde, puis je vais arrêter par là, parce que c'est 44, ouais. Ça aussi, c'est pas ouvert. Aucune idée d'où je me trouve. Oula, ça va être pas être génial ça. Ah oui, déconne pas avec les lance-flammes. Le problème avec ce jeu, c'est qu'on n'arrive pas à s'arrêter. Je vais rater mon rendez-vous stream. Attendez-moi, les gars! Bon, ça servira peut-être après. Allez, ça va. Ah bah non, je me suis coincé comme un endroit. Mes petits casse-croûtes. Là, je suis au taquet, je crois. Ok, ça m'a ouvert ça qui doit être à côté de l'ascenseur, je crois. Je sais plus où. Ça devient compliqué quand même. L'inertie quand même qu'on a sur la bestiole, c'est incroyable. Alors je pourrais passer en dessous, mais voyons voir. On va prendre l'ascenseur, enfin je vais essayer. Non, ça veut pas. Eh oui, mais je me suis coincé là, les gars. Bah oui, parce que je peux plus repasser. Attends, si, faut que je fasse ça. Hop, on y va. Bouge. Ce que c'est crade. Faut que je trouve l'autre côté. J'arrête de déjeuner. Bon, il est croquant lui. Hein. Il y a un petit nut. C'est ça qu'il faut que j'ouvre, bordel. Alors, je me rappelle plus. Je vais arrêter par là, hein, parce que je vais vraiment être à la bourre pour le stream de Dolin. Je vais sauvegarder et... Je vous raconterai. En tout cas, Carillon, très drôle, très amusant. Jeu à 20 balles, où vous êtes le méchant dans The Thing, carrément. Et vous bouffez tous les méchants savants qui font des recherches secrètes pas très très... hein. Bah vous en faites des casse-dalles. Et pas que, il y a de la réflexion, parce que pour avancer dans le complexe, bah, il y a une logique à respecter, sinon vous vous mettez rapidement à tourner en rond. Bien faire attention à l'entourage, à ce qu'il y a dans le décor. Il n'y a pas besoin d'un diplôme pour y arriver et c'est vachement bien du coup. Bon, moi je vous dis rendez-vous dans 10 minutes à cet endroit-là, ou sur le canal de Dolin, ou sur le canal de Chaos, ou où vous voulez. Mais venez plutôt sur le mien en fait, c'est mieux. Et on va se faire un petit Betrave Castle. Oui, Takeshi Castle, c'est fini. C'est outdated. On va faire un Betrave Castle.
Voilà. Allez, à tout de suite.